Eh bien bonjour à tous. Alors avec Elodie, aujourd'hui on a prévu une journée chez un ami agri-youtubeur. Il s'appelle Nicolas. Je pense que vous le connaissez pas tous. Pourtant il fait une chaîne YouTube. Il a des magnifiques tracteurs. Ils sont peut-être pas dernier cri, mais moi j'adore ça. On va découvrir la culture de chanvre. Et j'essaierai, je pense, de faire deux vidéos parce que je pense que ça sera trop long. On ira voir aussi d'autres spécificités de la région. Parce qu'en fait, le chanvre, il va servir essentiellement au textile, aux plaquettes, copeaux, à l'isolation. Et c'est une culture très réglementée quand même, parce qu'il faut savoir qu'il y a un chanvre aussi médicinal, mais celui-là, il ne cultive pas. Faut pas confondre. Celui-là, vous pouvez le fumer, apparemment, ça vous fout une bonne chiasse. Mais bon, ça, comme ça empêche les gens de lui envoler. Et là, vous allez voir, c'est assez impressionnant, il fauche à 20 km/h. Et avec Elodie, on vous a fait une belle vidéo avec son Bognoland. Pas dernière génération, mais il marche du feu de Dieu parce qu'à 20 km/h, quand même, faucher du chanvre qui est ouais, quasiment 3 mètres de haut, quand même, il est joli. C'est de la craie en plus. Il nous expliquait qu'ici, il pouvait pas récupérer la graine. C'est des petites terres, en fait, c'est comme si moi j'avais les marais. Je pourrais récupérer la graine, mais dans mes terres de groix, je ne pourrais pas parce qu'il manque d'eau. Malgré que cette année, il dit qu'il aurait pu sortir du grain. Mais il faut faire un choix parce qu'après, il y a les cultures dans son assolement. Et je remercie Elodie Agri Passion qui m'a permis de faire des vues de drone. Parce que bon, je pouvais pas être à la caméra. On s'est échangé, là, je vous mettrai en description aussi quand elle mettra sa vidéo. Et je vous souhaite une bonne vidéo.